Salut à tous, c'est Nasvand qui vous parle comme ça, moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Witcher. Ouh, un chat. Je croyais que c'était un chien enragé, mais non, c'est un chat qui se balade. Du coup, ce que je dois faire, c'est retourner à la taverne et acheter du vin éventuellement. Parce que bah, il me faut du vin pour sauter Vesnahood. Mais ouais. Donc il faut que je retrouve la donzelle à 8h le soir. Heure 6h, lieu danger, ok. Faut que je retrouve donc la donzelle à 8h le soir. Avec une bouteille de vin. Et donc pour ça, on va retourner à la taverne. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et ce jeu est toujours aussi fluide, ce qui m'impressionne toujours, sérieux. Et oui, je pense faire toute la série des Witcher, hein, de toute façon. Oh, un autre petit chat. Ils sont pas contaminés au moins. Je peux pas caresser le chat, vas-y. Non, je peux le faire flipper avec ma hache qui me rentre dans les couilles à chaque fois que je me retourne, mais... Ça aussi, c'est classe. Genre les pigeons qui s'envolent et tout. C'est pas un jeu qui est tout récent, hein, non plus, The Witcher. Vous savez quoi, je vais augmenter un petit peu le son du jeu parce qu'il est vachement bas, je trouve. Option sonore. 8-5, 8-5, 8-5 et 8-5. Non, voilà, paf. Accepté. Ah oui, tout de suite ça rend mieux, ouais. Donc voilà, j'aurais qu'à parler un petit peu plus fort de toute façon. Ouais, la musique elle s'excite là. Bum, bum. Faut juste que je retourne à la taverne, bordel. Putain, elle est loin la taverne. Et il paraît qu'il y a un souci dans The Witcher 3, de ce que j'ai lu sur internet. Les gens ont des... ont des mollets plus ou moins... Et attends. On s'est déjà vu? Oui, on s'est absolument déjà vu. J'ai perdu la mémoire. Mais c'est que ça a l'air sérieux. Parlez-en à la petite médecin. Elle s'occupera de vous. T'étais obligé de faire des S dans ton micro. Dommage. Ah, ça me revient. Gérald de Rive, je vous avais engagé à Novigrad pour me débarrasser de Gargan. Je peux aussi te débarrasser de ton double menton, aussi, si tu veux. Hein. Mais vous m'avez quand même aidé. Je devais être plus altruiste à l'époque. Mes affaires marchent bien. Je vais vous payer ce que je vous dois. Ok. Je ne cracherai pas sur de l'or. Voici 100 orins. Dure époque. Je n'ai pas de travail pour vous. Ah bah, merci pour les 100 orins. Hein. C'est venu de nulle part, mais je ne veux pas dire non. Le mec, il est quand même sympa. On lui dit qu'on a perdu la mémoire et... Me dépêcher. Personne n'entre à visite. Si, si, moi je vais rentrer, tu vas voir. Je vais juste retourner acheter du vin. De toute façon, c'est à 8h le lendemain, donc il faudra que je médite un peu. Quoi, il y a un chat? J'ai entendu un chat. Salut, laissez-moi ouvrir les portes pour tout le monde. Pour tous les monstres du coin. Je vais aller à la taverne et puis je vais demander une bouteille de vin. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous là? Le feu éternel protège pas les pêcheurs. Repentez-vous. Oui, surtout qu'on a vu ma mâchoire dans la caméra, là, alors que la caméra passait à travers ma gueule. C'était un peu flippant. Faut dire ce qui est quand même, hein. C'était un poil flippant, un poil. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment vas-tu? Je compte ouvrir un commerce à Vizima en apportant des marchandises. Mon Dieu, cette tête. Les Breckenrigg veulent me forcer la main. Les Breckenrigg? Je compte épouser Eudora Breckenrigg. Et ses parents exigent que j'ai une bonne situation. La mine de la cause commune où j'ai travaillé après la guerre a été un échec retentissant. D'accord. J'ai trouvé ces drôles de dés de nains. C'est du poker au dés. Très divertissant. Ça demande moins de concentration que les cartes. Mais on se marre autant. Tu pourras arrêter de regarder mes couilles pendant que tu parles. Ils sont devenus populaires après la guerre. Pas étonnant vu que tous les mercenaires y jouaient. Non mais regardez ses yeux, ils sont concentrés sur mes couilles. Et comment ça se joue? On n'a qu'à essayer. Je t'expliquerai.
Choisissez votre mise et cliquez sur l'icône pour lancer les dés. Vous pouvez ensuite augmenter votre mise et choisir les dés que vous voulez relancer. Le gagnant est celui qui a la meilleure combinaison. Astuce, avec certains personnages, vous serez contraint de jouer plusieurs fois. Bon, bah lançons les dés. Je fais plutôt un joli score. Allez hop. Tac, je vais relancer ces trois là. Ouais, c'est mieux déjà. Il a tout relancé, la boîtier. Oh le con. Vous avez perdu la partie. Quoi? Oh non, non, c'est bon, hein, dégage. Je peux me casser. Oui, je quitte, c'est bon, j'ai perdu assez d'argent, connard, tu m'as volé 36 dorins. Salut le tavernier. Vous voulez quoi? Du vin. Je cherche quelqu'un qui a fait halte dans votre taverne. Faites le tour des tables. La nuit, les clients se reposent dans leur chambre. Revenez au matin pour leur parler. Je vais faire le tour. Vous voulez quoi? Je suis un sorceleur. Par le feu éternel. Vous avez du travail pour moi? Non. Mais demandez au révérend. Bien, j'irai lui parler. Vous voulez quoi? Adieu quoi. J'aimerais juste acheter du vin, bordel de merde. Pas possible ça. Et quelle heure là? 6h30. Du matin ou du soir? Que puis-je pour vous? Oh, t'es pas mal aussi, toi. Je voudrais commander. Je reviens tout de suite. Alors, il me faudrait du vin. Lait de chèvre, lait de vache, vin rosé. Vin rouge de Toussaint. Je vais en acheter 3. Hop, merci. Au revoir. Je peux coucher avec toi ou pas? Que puis-je pour vous? À bientôt. À bientôt. Ok, est-ce que je peux méditer? Non, il faut que j'aille au moulin maintenant. Putain. Qu'est-ce que ce sera? Rien pour l'instant. Plus tard. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle foutait là-dedans, elle? Il faut que j'aille au moulin. Bon, apparemment, c'est la journée maintenant. Ça va. Donc, si je vais au moulin et puis que j'attends. Tac, 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 porte. Faut que je trouve le moulin. Ou alors, ils ont dit grenier, moulin, je sais plus. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas ce qu'il faisait avec ses... Je me plais pas ici. C'est génial, tu te plais pas ici. Grotte sous les remparts. Moulin, c'est là le moulin. Putain, il est loin. Bon, je vais méditer jusqu'au soir suivant. J'espère juste que j'ai pas loupé la première fois. Tiens, tu fais quelque chose dans ta vie, toi? Vous voulez quoi? Vous avez une chambre. Pour vous, c'est 5 orins. Ah ouais, uniquement pour moi. Ok. J'adore la chambre à chaque fois. Hein. Bien, je vais méditer jusqu'au crépuscule. Ouais, jusqu'au crépuscule, allez hop. Au pire, si c'est pas à bonne heure, je remédite. Heures, putain. Il va falloir que je me speed, hein.
Allez. Putain, mais je m'en fous, elle est où la sortie? Allez, hop. On va se speeder à mort. Faut juste que j'aille au moulin. Tout ça pour pouvoir coucher. Hein. Elle nous fait courir, cette bonne femme. Ouvre la porte. Soyez sur vos gardes. Je vais être sur mes gardes, t'en fais pas. Je vais aller au moulin. Je vais prendre tout droit. Je vais prendre le plus de raccourcis possible. Salut mon gars, désolé je t'ai passé à côté hein. Attends, tout est fermé là, je viens de me bloquer comme un con. Mais putain, mais c'est de la merde. Le moulin. Des tombes récentes. La peste est passée par là. Je m'en fous, je vais aller coucher. Putain, mais ils ont mis des barrières partout pour t'empêcher de passer et de prendre des raccourcis. C'est quoi ces conneries? Sérieux? Laissez-moi voyager librement dans le monde. C'est par où? Et ouais, je peux au moins passer tout droit ici sans prendre tout le tour. 19h30, putain, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Les heures passent à une telle vitesse. Non, je vais pas piller les chapelles et tout le bordel qui va avec. Le moulin, c'est génial. Une gamine ici, je m'en branle. Ok, le moulin il est où? Merde, je suis pas allé au bon endroit. J'aurais peut-être pas dû méditer jusqu'au crépuscule moi. Non, la bête ne viendra rien faire parce que je suis là. Mais là, pour l'instant, je veux juste aller coucher avec une femme, ça ne me dérange pas, donc j'y vais. Hein. Ah, mon ombre vient de péter un plomb. Le moulin, il est là. Je suis là. Et ici, hop. Enfin, cet endroit me donne la chair de poule. Vous avez du vin? Merde, j'ai oublié. Non, j'ai quelque chose pour vous. Voilà. Merci. Je n'ai plus du tout peur. Ah oui, alors, avec du vin. Moulin, vous me le montrez? Voyez-vous. Bien sûr. Tout ce que vous voulez. Et pas que mais le moulin. Mais je risque de salir ma nouvelle robe. Retire-la. Les sorceleurs ont des solutions pour tout. Allez, vas-y. Qui cette demoiselle là? Attention, vous mettez les pieds. C'est à quel sujet? Le vieux moulin est à nouveau hanté. Ah, faudrait engager un sorceleur ou un magicien pour s'en occuper. Jamais là quand on a besoin d'eux. Demain les monstres, ils seront encore là, non? Ouais, faut pas prendre de risques inutiles. Hanté, ouais. J'ai droit à la petite carte aussi. Ah oui. Oh. Très sympa. Très sympa. J'aurais bien aimé voir les seins de Marigold aussi, mais malheureusement, je les ai pas vus. Ah là. Et je pense que c'est bon, on va pouvoir s'arrêter là pour cette partie, hein. Ça fait plaisir. Personnage Vesna, attendez, je vais voir le journal. Vesna, où es-tu? Oh putain, regardez-moi ça. Vesna. Mmh.
je connais plein de monde, dis donc. J'ai eu le sentiment que cette jeune femme intelligente et sensée m'aimait beaucoup. Et ben, vous savez quoi, on va revenir dans la ville avant de sauvegarder, parce que j'ai quand même envie d'avoir un point de chute. Donc on va y aller tranquillement, vu que j'ai plus de raison de me stresser en particulier. Mais le vieux moulin est hanté, je suis d'accord, hein. Il est absolument hanté. Salut mec, ça va ? J'aime pas les bandits de Vizima. J'aime pas les bandits de Vizima. Je te donnerais bien des pièces, mais visiblement je peux pas. C'est quoi ça ? Ah. Et qui aime les bandits de Vizima, sérieux ? Et toi, là ? Il y a pas longtemps, j'ai vu un noyadé sur la berge de la rivière. Un noyé ? Tu veux dire un noyeur, non ? Non, ceux-là sont plus petits. Le mien, c'était un noyadé. Qu'est-ce que tu sais sur les noyadés ? Ils sont plus grands et plus forts que les noyeurs. Quand un criminel se noie, quelquefois, il revient en noyadé. Il déteste tous les gens, et il veut les entraîner sous l'eau. Où est-ce que je peux le voir ? Parfois, il est sur la berge de la nuit. Faut le zigouiller. Je verrai cela. J'adore la voix qu'il a ce mendiant, putain. Ils ont tous des voix... Je n'ai pas de travail. Tu veux pas me refiler sans orin, nouveau ? Je peux rien faire. Je peux trier mes objets, mais je peux pas piller les hôtels de toute façon, donc voilà. Hein. C'est bien triste, mais c'est la vie les gens, je ne peux pas piller ces lieux saints. C'est normal après tout, hein. Je vais pas piller ça. Eh bah tiens, t'étais où toi quand j'avais besoin de... Foutus écureuils. Ils attaquent les convois comme pendant la guerre. Foutus écureuils. Ok, heureusement que je sais que les écureuils, c'est le truc que m'avait dit le nain, là, parce que sinon, j'aurais pas trop compris comment des écureuils pouvaient attaquer les convois. Mais j'aime bien tous ces chats, là. Pourquoi il y a autant de chats ? Non, je peux pas sortir. Bah, de toute façon, il me fait flipper, ce chat-là, vu comment il bouge. Je vais voir si je pouvais sortir mon arme et essayer de zigouiller un chat, ce que de toute façon je n'aurais pas fait, je vous rassure, mais c'était juste pour voir si c'était possible. Mais de toute façon, je ne peux pas sortir mon arme, donc ça doit vouloir dire que les chats sont un peu des genres de créatures immortelles dans ce jeu. Ce qui n'est pas pour me déranger, j'adore les chats, comme les chiens d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait chier que tous les chiens se transforment en animal du démon, là. Et puis je vais voir le coup du noyadé là de nuit, que je le zigouille si c'est pas déjà fait. Je suis déjà à la ville? Ah ouais, tiens, c'est rapide. Et ils ont laissé les portes ouvertes, c'est trop gentil. Laissez les monstres entrer. Fermez-moi ces putains de portes, bordel, la nuit elle tombe. Enfin bref, voilà. Sauvegarder. Merci beaucoup. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Oui, je sais, c'est dur la vie de soldat. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye. Et je serai sur mes gardes. D'accord, c'est ça la fille. Bon, je vais me précipiter sur le monstre, hein, parce qu'apparemment j'ai fait bugger le jeu en tirant avant. Salut! D'accord, j'ai pas le choix en fait, je dois mourir, attendez. Il y a un souci là. Il est bugué son jeu au mec, hein. Enfin, tu m'excuseras, je vais aller par là, hein. Super, je peux pas mourir, je peux... Non mais il bug, hein.